Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2024, Luana Belmondo a annoncé la perte d'un être cher. Ciao, amor mio, tu es parti discrètement, sans bruit, avec une grande dignité, à la maison, à mes côtés. Merci de m'avoir donné cette dernière preuve de courage, a-t-on pu lire sur son compte Instagram sous une photo de son chien Maxou. Puis la chef italienne a poursuivi avec tristesse, j'ai tout fait pour toi, mais c'est toi qui as le plus fait pour moi dans ma vie quotidienne. Seuls nous deux connaissons l'amour et les liens uniques que nous avons pu vivre et partager ensemble, ils seront toujours là. Bon voyage mon Maxou. Tu mérites le paradis des animaux. Tu étais si spécial et unique. Ti amo. Grazi, a conclu la maman d'Alessandro, Victor et Giacomo. La belle-fille de Jean-Paul Belmondo a reçu de nombreux messages de soutien, dont celui de Carla Bruni Sarkozy qui a commenté en italien « Che tristezza », soit « Quelle tristesse » en français. « De tout cœur avec vous Luana, ça fait beaucoup cette année. Je suis désolée pour vous. Prenez soin de vous vraiment vraiment », lui a également écrit une internaute attristée. De son côté, Paul Belmondo a lui aussi partagé une photo de Maxou. En légende, celui qui a gardé dans sa bio Instagram le comédien marié à Luana Belmondo, a écrit « Au revoir petit Max, tu es parti au paradis des chiens que tu mérites tellement ». Comme sous la publication de sa future ex-femme, l'ex-pilote a reçu de nombreux messages de soutien. « Oh, ce n'est pas une bonne année pour les Belmondo, toute ma tendresse à vous, c'est tellement dur de les perdre, je suis triste Paul et Luana, je pense qu'il a été heureux avec vous deux. Le paradis des animaux va l'accueillir. » « Au revoir Max », ont commenté des internautes. Agacée par le message de Paul Belmondo, Luana a pris le temps de faire une capture d'écran et de dire le fond de sa pensée en story sur Instagram. « Dommage que tu n'étais pas là pour lui, il était pourtant si gentil et si loyal », a-t-elle regretté. Dans les colonnes de Gala, Paul Belmondo en a profité pour revenir ce jeudi 26 septembre sur les remarques et les messages qu'il reçoit sur Instagram depuis l'annonce de sa séparation d'avec la chef italienne qui a partagé sa vie pendant plus de 30 ans. Les gens s'arrêtent pour commenter nos vies sans vraiment chercher à savoir. Je pense qu'il y a des sujets qui doivent rester en famille. Il n'y a pas à se justifier. Les proches savent ce qu'il en est, c'est amplement suffisant, a-t-il confié. Et de conclure, le plus important, ce sont mes enfants, que je souhaite préserver. J'ai à cœur d'être responsable vis-à-vis d'eux et donc de leur mère. J'ai lu des choses qui ne m'ont pas fait plaisir. Nous traversons une époque si difficile, si on m'insulte, je bloque les gens.